Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour montrer la caillou pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti, tant que l'autre bord de l'eau. Jeudi, c'est vendredi 2 février 2024. Bienvenue dans la dernière édition Journal Créole. Nous pour jeudi en collaboration avec VOA Créole. Actualité dans le pays d'Haïti, plusieurs secteurs annoncé manifestation pendant plusieurs jours qui viennent là pour demander démission Ariel Henry dans le tête pouvoir 7 février qui viennent là. Président William Ruto, président Kenya, lui-même lui annoncé dans le jour qui viennent là, soldats Kenya ont gagné pour capable débarquer dans le pays d'Haïti pour capable venir traquer gang qui a bay problème ensemble avec population haïtienne dans le pays d'Haïti. Actualité dans le pays étranger, gen l'armée Israël là lui-même il pas baissé les bras content à pays content un peu habitant Amasyo même il décidé débarquer écraser toute qualité monde qui gagne dans Gaza malgré un pile effort a fait pour gagner un cessez-le-feu dans Gaza qui gagne presque 4 mois. Plusieurs parlementaires américains exprimé inquiétude face à implication militaire États-Unis dans le Moyen-Orient après attaque Hamas te vin fait sous l'armée Israël 7 octobre qui t'est passé. C'est tout point ça yo à divers slots nous va gagner pour nous développer pour aujourd'hui. Dans le journal ça, restez connecté avec nos amis internautes yon façon pour capable bien informer. Une autre fois encore, bonsoir pour nous tous et bienvenue dans le développement journal Silla. Président William Ruto, Kenya lui-même, lui fait connaître l'idée de cette grosse demande qui était faite en bon côté pour le ministre Ariel Henry en 2022 à pays Kenya dans le cadre pour qu'il soit capable d'aider la police nationale d'Haïti à goumer à traquer gang qui gagne dans le pays ça parce que j'ai une situation posée dans le pays d'Haïti. Gang, eh bien, c'est donner la donner tant que John, et bien, contre la population haïtienne. Mais William Ruto, lui-même, qui était déjà accepté pour que lui-même était capable, eh bien, voyer soldats dans le pays d'Haïti, gagner la Cour suprême, pays Kenya lui-même, qui n'a pas décidé, après toute intervention qui fait, il a jugé que c'est vraiment illégal et inconstitutionnel pour que soldats soient capables de rentrer dans le pays d'Haïti, malgré que tu as gagné 300 qui étaient déjà préparé pour capable voyer dans le pays d'Haïti dans le mois de février, dans le mois de février ça. Entre temps, gagné après toute intervention, côté que la Cour suprême l'y fait, lui-même côté que soldats ou pas capables de débarquer dans le pays d'Haïti, William Ruto, lui-même, lui prend toute décision pour que soldats soient capables de rentrer dans le pays d'Haïti. Et gagné ministre des Affaires étrangères, Moussa Lia Moundavadi, lui-même, lui déclaré ministre en fait qu'on est dans le Cap Vinio, gen tout moyen qui a créé et gen disposition qui déjà prend pour que processus ça lui-même li capable avancer de façon que soldats Kenya ou capable rentrer dans le pays d'Haïti pour capable aider Ariel Henry contre gang qui pa vle population vaquer dans activité là. Yon l'autre côté, amis internautes, dans même cadre, question gang qui a pas de problème dans le pays d'Haïti, et avec question soldat Kenya qui doit entrer dans le pays d'Haïti, gen colonel Himmler Rebu lui-même li fait connaître, il ta bien content pour que soldat ou ta rentre dans le pays d'Haïti, parce que c'est pour la première fois que lui-même li accepte pour que soldat étranger capable rentrer sous sol pays d'Haïti, yon façon pour que lui-même yon capable traquer gang. Eh bien, colonel là, il fait comprendre, eh bien, puisque yon va gen capable rentrer dans le pays d'Haïti, c'est un moyen qui pral montrer comment que et bien soldat ça yo pral cacher en bas cabane en bas bois parce que soldat parce que gagne gang ça yo paraître vraiment plus puissant que soldat yo parce que c'est pas ni policier c'est pas ni l'armée haïtienne et bien qui pral trouver en face gang yo c'est étranger dans sens ça puisque yo pas contre aucun côté dans pays ya li facile pour que yo même yo capable mourir grain par grain. Gagné 6 hélicoptères Corée du Sud dans lui-même li offrir ensemble avec pays Kenya yon façon pour que lui-même li capable opérer et capable faire des opérations et bien don ça li fait dans pour qu'elle capable aider dans cadre mission pour la paix Nations Unies d'après tout temps intérêt d'après tout temps et information qui arrive jeune nous et bien gagné une dans média qui t'a fait nous comprendre 6 hélicoptères ça yo Corée du Sud t'a déjà utilisé yo et il fait le cadeau avec il fait pays Kenya cadeau
eh bien, hélicoptère ça, c'est un objectif pour que vous soyez capable d'aider le pays Kenya. Alors, ce que nous avons parlé pour que j'aime bien un yon qui dit, est-ce que hélicoptère ça, c'est un hélicoptère qui est capable d'aider le pays d'Haïti à traquer gang qui gagne dans le pays d'Haïti. Gagner pouvoir en place là, lui-même qui connaît gros mission, il gagne contre lui-même, gagner Premier ministre Ariel Henry ensemble avec tout acolyte li yo même yo fait konnen nan jou k'ap vini yo 7 février k'ap vini la et bien pral capable gagner yo partisan pouvoir pral mettel deyò nan bloc en Delma Pétionville avec Chanmas pour qu'yo capable manifester contre révolution ça et bien gagner Guy Philippe lui-même li mette sous pied pour capable manifester contre pouvoir en place ta. Entre-temps gagner plusieurs secteurs amis internautes nan gen plusieurs secteurs sous scène nationale là qui déjà préparé pour capable manifester pendant plusieurs jours dans cadre pour voyer Ariel Henry aller surtout 7 février cap venir là et ben gagner Claude Joseph en numéro 1 parti EDA parti politique ça tout membre yo mettre on veut faire un seul pour que même capable préparer mobiliser tout le monde avec plusieurs autres secteurs yon façon capable et bien mobiliser et manifester sorti 5 6 et 7 février et dernier jour que même yo fait connaître 7 février faut Ariel Henry li bay pouvoir si toutefois lui même li pas décider bay li yon façon et bien la et bien yo même y a forcé pour que capable bay li façon que yo même yo vle et bien gagne même premier ministre Claude Joseph ça lui même li fait connaître nan jou k'ap venir pas gagner l'autre décision Ariel Henry li doit prendre c'est retirer Colin sous pouvoir pour que capable gagner l'autre monde qui capable diriger et que peuple là lui même li capable connaître qui est-ce qui capable organiser élection et au même population qui a choisi yon moun pour diriger pour fonctionner de façon pour qu'il capable vivre bien même gens avec tout monde capable vivre dans pays étranger. Actualité a sous plan international dans Moyen-Orient gagné l'armée Israël là lui-même qui pas disposé baisser les bras et zamni kembe dans men chaque jour qui a passé il continue à attaquer et bien palestinien yo dans territoire Gaza malgré problème humanitaire lui-même qui gagné et bien gain gros effort qui a fait pour comment que capable gagné un cessez-le-feu dans guerre ça qui presque gagné 4 mois et pendant guerre ça zanmi internaute gen en pile monde qui mouri dans camp palestinien yo gen en pile monde qui mouri dans camp israélien yo et mais palestinien yo qui gen problème humanitaire et gagner l'armée israélienne nan yo même yo pas décidé camper et yo fait qu'on est chaque jour qui passe yo décidé pour que yo même yo capable et bien touyer depuis ces palestiniens qui gagnent en dans territoire Gaza ça faut pas ta gagner yo grain monde qui existait pour parce que pour quantité monde et bien palestiniens t'est arrivé touyer pour yo le 7 ans fait le 7 octobre qui saute passé là gagner tous amis internautes plusieurs parlementaires américains yo exprimé inquiétude yo en face à quand implication militaire États-Unis même yo gagné dans Moyen-Orient après attaque Hamas lui-même li te fait sous israélien yo le 7 octobre passé là et bien yo exprimé inquiétude ça c'est parce que gagne en pile américain yo te à ce que ta gagné là-dedans yo qui fourait bouche dans cause ya pour que eux même yo capable faire un seul ensemble avec israélien yo pour capable touye militaire Gaza yo malgré gen en pile moun palestinien yo te même yo te rive kidnapper yo aller ensemble avec yo et gen tout yo rive touye et c'est une nan raison qui fait Israël yo même yo dit fuck yo même yo prend toute décision pour capable touye tout palestinien qui gagne dans territoire Gaza. Madame mademoiselle et messieurs, c'est pour ça yo ak divers notes nou te rive développé pour nan journal ça rete connecté ak nou entre temps n'a quitté ensemble avec la voix de l'Amérique pour plus de détails. Merci en pile pour passer toute semaine avec la voix de l'Amérique. Moi c'est Jean-Baptiste Philippe Cap salut nous depuis capitale fédérale américaine dans Washington DC. Mes principales points dominants actualité. Quelques points dominants actualité, l'armée Israël continue à attaquer territoire Gaza malgré les efforts qu'a fait pour gagner un cessez-le-feu dans la guerre qui prescrivait sous 4 mois. Plusieurs parlementaires américains exprimaient inquiétude face à l'implication militaire des États-Unis dans le Moyen-Orient après l'attaque à Hamas sous Israël 7 octobre passé. En Haïti, plusieurs secteurs annoncé manifestations pendant plusieurs jours pour demander démission du premier ministre Ariel Henry d'ici 7 février. C'est quelques points qui dominent l'actualité. Nous remercions encore une autre fois encore et nous saluons toutes
et auditeurs, téléspectateurs nous qui toujours là avec nous et qui continuité avec nous. Mais on commence avec une nouvelle cap sorti qui concerne le pays d'Haïti. Nous parlons d'abord dans le pays Kenya, côté ministre des Affaires étrangères pays a mais dit la voix de l'Amérique que j'ai fort pour vous et policiers dans le pays d'Haïti à pas possible sans dans le maire. Remember, it was a UN that... Ministre Affaires étrangères pays Kenya dit VOA, j'ai fort pour voyer policiers dans le pays d'Haïti à bras poursuivre. Ministre Musalia Mudavadi t'a parlé avec service Swahili, la Voix de l'Amérique là, hier jeudi 1er février dans Washington, côté monsieur t'a rencontré secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Our constitution allows somebody to go to court and challenge. And we are seeing a lot of l'idée constitution nous permet au monde aller devant tribunal là et puis défier décision. Nous voyons ça plusieurs fois déjà. Gen moun qui soulevait problème par rapport avec politique, etc. Le gouvernement défend position devant tribunal là, il respecte décision juge là. Ministre la DVOA, gouvernement a intention d'aller en appel contre décision tribunal la prend pour dire j'ai fort pour voyer policiers Kenya yo en Haïti par constitutionnel. So on this one on Haiti, the Attorney General is reviewing the judgment. Li dit dans cas Haïti, le ministre de justice là a révisé jugement et puis il prend en appel pour contester. Mais m'ta remè di publiquement tout que décision a indiqué que si gagne une demande officielle qui fait son base bilatérale, pas gagne rien qui ka empêcher Kenya pour se poupi devant avec plan. There's nothing that stops Kenya from supporting if that were the case. Haïti t'a demandé assistance pour première fois en 2022, dans le moment où la violence gang a augmenté, mais il n'y a pas de cas joindre aucun pays pour prendre mission en charge. En pile, gouvernement étranger a sauté pour appuyer un gouvernement haïtien qui n'est pas élu. Kenya, bon côté palé, a une longue histoire avec l'opération Maintien la paix internationale. I just want to repeat that Kenya has always been a critical player in peace efforts. Lydie Moutan aimait répéter que Kenya a toujours joué un rôle essentiel dans le maintien de la paix tout partout dans le monde. Nous faisons ça dans la région Afrique de l'Ouest, là. Nous faisons Namibie, nous sommes dans Kosovo, Timor de l'Est et puis même Somalie, côté nous sommes collés avec la communauté Afrique de l'Est. Là. Force nous ont servi dans la République démocratique Congo pendant une année, donc ils ont participé dans plusieurs initiatives de la paix. C'est un bel exemple intégrité Kenya gagné dans domaine ça. Ça veut dire yo respecté nous. Ça veut dire force police nous yo gain discipline et moun reconnaître professionnalisme yo. Kenya est fier de ça. Nairobi a accepté pour le prendre mission en charge le mois de juillet 2023 et puis promettre pour contribuer 1000 policiers. Ruto t'a dit Kenya t'a fait ça pour porter solidarité pour un pays que les considérer tant qu'un frère. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Sous même nouvelle ça, ancien colonel de l'armée d'Haïti, Imler Ribu, qui t'a adressé sur question ça, il dit que si police Kenya t'arrive en Haïti, si ça t'arrive fait, les cas difficiles pour opérer sous terrain, colonel Imleribu. Moi, c'est un homme, tout le monde connaît, mais ouais, un soldat étranger dans le pays, un homme. Bon, moi, je commence à regretter que Kenya a beaucoup venu. Bon, c'est les policiers Kenya qui sont venus pour avoir une belle merveille ici. Si le Kenya ou vini, c'est non tout pour yon être caché, pour yon pas jamais sortir ici, même pas jamais sortir dans la rue même. C'est qu'on fait ça. Depuis yon sorti, y a mouri pas pile et pas paquet. C'est une révélation. C'est bon, révélation. Son bas technique lié. C'est parce que moun yon l'a fait, bah, yon pas respecté culture pays, ya. Yon pas respecté mœurs et coutumes, yon pas respecté tempérament moun yon. Si y a voué policier Kenya, vin ici en Haïti. Y a vinn fè ki sa? Y a vinn pou yo elimine gang. Elimine gang, vè di, tue bandi. Koun se lè sa n tap wè ki sa bandi si tue. Paske koun y a yabdou, yo a lèz, paske se pa polisye haïtien,
Ouais, même policiers haïtiens ont un problème avec eux. Ils ont tué, ils ont coupé la tête, ils ont boulé la tête. Ils ont tué des Kenya, ils ont pas pile, ils ont pas paquet. Non, même actuellement, ça, il y a un représentant, en fait, représentant États-Unis en Haïti, et bien, il déclare que pays, donc États-Unis, a continué à supporter une force multinationale pour aider pour la sécurité ou bien garantir la sécurité en Haïti, Emmanuel. Pays États-Unis pral continuer à supporter effort international qu'a fait Kounia pour former une mission support sécurité multinationale pour Haïti. Jean, résolution 2699, Conseil sécurité Nations Unies, t'es autorisé ça. Citoyen Sao pas prétend pour réagir sur déclaration chargée d'affaires américaines à Port-au-Prince, Eric William Strohmeyer, qui réitérait soutien les États-Unis à déploiement force multinationale en Haïti. Professeur Josué Mérilien. Nous, ouais, que Américains décidaient de toute manière, faut des troupes étrangères qui débarquent par ici pour venir permettre que les consolider pouvoir ailleurs là, pour permettre que les vins d'Adi aient plus l'ougal pour voler reste bien que nous étions dans le pays, riche, riche, etc. Citoyen Sayo, qui se membre yon estricti politique qui pote non, protocole 17 octobre, considéré tant que yon bluff éventuel arrivé force multinationale là en Haïti. Pour professeur Victor Benoît, tant de démagogie a fini. Tant de démagogie a fini, faut nous finir avec les démagogies, puis de parler, faire promesse l'air, faire penser que blanc, étranger, a fini et sauver Haïti, vide. Voyez force multinationale, c'est bluff. Bon côté PAL, coordonnateur adjoint organisation sociopolitique débloqué haïtien, membre protocole 17 octobre, 5, 6, 7 février cap vini là, c'est pral gros mobilisation dans périmètre résidence officielle premier ministre là, dans l'idée pour exiger lui remettre démission. À partir du 5, 6, 7 février cap vini là, c'est pral mobilisation sous toute forme jusqu'à ce que Ariel Henry quitte tes pouvoirs là. Comme alternative, ancien ministre Affaires sociales sous présidence Joseph Michel Matélian, Victor Benoît, mandé toute force vive pays, hein, chita ensemble, dans objectif pour dégager un consensus pressé, dans l'idée pour résoudre tout problème pays a fait face. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour faire voir Créole. Dans un autre cas, Dominique est sur le plan international et bien bon et discussion qui a continué pour une cessez-le-feu dans la guerre entre Israël avec Hamas là, mais ça va empêcher que l'armée israélienne continue à plaguer coup de mortier dans le territoire Gaza. Gentil Augustin Junior. Bataille entre l'armée israélienne et groupe armé Hamas là, t'est continué à dégénérer jeudi vendredi 2 février 2024 là, dans la région Gaza, malgré premier signe qui suggérait possibilité d'un nouveau trêve avec libération otage. Après presque 4 mois la guerre. Pour ne pas suspendre la guerre ça, faut qu'il y ait résistance et détermination nationale. Et puis nous devons persévérer jusqu'à ce que nous finissions mission nous yo. Et puis, li pi difficile pour Hamas. Quoi moins, yo pa gen zam, yo pa gen munition, yo gen 10 000 terroristes qui éliminés, ak yon lot 10 000 blessés qui pa ka fonctionner. C'est yon gros coup qui affaiblit capacité yo. Force israélien yo te di ayer jeudi 1er février 2024 là, yo te krasé brigade Hamas là nan kan Younis. Dans le site Gaza, dans la guerre presque 4 mois. Dans une manifestation pour libérer otages dans Tel Aviv, un manifestant a dit The only way is through a deal. Seule façon, c'est joindre une entente. Et puis, c'est ça que veut dire ou gen courage et ou son leader. Et moi toujours pensé que après ça, nous pral gen temps faire face à Hamas et puis retirer yo dans direction ak leadership dans Gaza. Hamas ka continuer, mais avant toute bagaille, otages. Après une réunion dans jou qui s'est passé yo dans Paris entre chef CIA William Burns ak officiel pays l'Égypte, Israël ak Qatar, yo te présenté une nouveau proposition trêve by leadership Hamas là, qui gen leader Ismaël Haniyeh qui basé dans pays Qatar. D'après une source Hamas qui te parlé ak agence France Presse, proposition an gen 3 phases. Premièrement, qui prévoit une trêve 6 semaines pendant que Israël pral obligé libérer entre 200 à 300 prisonniers palestiniens en échange 35 à 40 otages dans Gaza. Et puis,
200 à 300 camions aide pral capable entrer dans territoire palestinien chaque jour. Majed Al-Hansari, porte-parole diplomatique Qatar, te dit, n'a cité proposition ça t'est approuvé sous bord israélien et t'est dit nous gagné kounia yon premier confirmation positif nan main Hamas. Et li t'est ajouté li espérer que nan deux semaines k'ap vini yo nous pral capable partager bon nouvelle sous sujet ça. Mais yon source qui proche Hamas nan Gaza te dit AFP que poko gen aucun consensus sous proposition ou sous agenda discussion Messi Ani était fait dans pays l'Égypte et que déclaration Qatar te fait avant l'air et li faux. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. N'a prêté toujours dans Moyen-Orient et bien dans un segment spécial Jacques Mélisa a expliqué nous histoire avec mission Agence des Nations Unies pour réfugiés palestiniens. UNRWA, c'est Bureau Secours et Travail Nations Unies pour réfugiés palestiniens dans la région Proche-Orient. C'est l'Assemblée générale Nations Unies qui a été créée en 1949 après Gessa, qui a entouré Fondation Pays Israël, les 700 000 Palestiniens tapkoui qui étaient caillou. Bureau a gagné comme mandat pour lui fournir assistance humanitaire et protéger réfugiés palestiniens qui enregistrés dans zone opération office là en attendant une solution juste et durable pour situation yo. Journée aujourd'hui, l'agence a utilisé directement 30 000 Palestiniens pour servir environ 5 900 000 autres Palestiniens dans la région Gaza, dans la Cisjordanie, et dans quelques pays arabes qui sont tout près, tant que Jordanie, Liban et la Syrie. Il y a 13 000 employés dans Gaza qui ont géré l'école, clinique, centre santé et distribution d'aide humanitaire. Service d'agence là vient prendre l'autre dimension en 2005, les Israël et l'Égypte ont imposé un blocus. Presque toute population gazaouia dépend de UNRWA pour besoins essentiels, autant que manger, de l'eau, produits hygiéniques et latriers. Contribution État membre ONU, et spécialement gouvernement régional, et Union européenne, représentait environ 89% pour financement agence-là. En 2022, États-Unis était représenté principal donateur agence-là, qui recevait tout financement budget ordinaire l'ONU et recevait contribution financière l'autre organisme l'ONU. États-Unis, la Grande-Bretagne et plusieurs membres Union européenne campaient contribution après accusations qui tombaient sous dos agence là. Il y a un dossier israélien 6 pages que vous partagez avec États-Unis et que l'agence Nouvelle Reuters examinait montrait qu'il y a 6 membres dans le personnel agence là qui étaient participés directement dans une grosse attaque sanglante et mortelle qui était faite 7 octobre 2023 sous territoire israélien et il y a 2 autres qui étaient témoins opération. On nous a dit qu'il était réagi rapidement côté il révoquait personnel li Mounsayo après il était recevoir alerte qui sortit en Israël qui prouvait participation yo dans attaque 7 octobre là. Agence l'a estimé que couper financement yo capable mettre en péril ensemble mission et aggraver en pile urgence humanitaire qui déjà catastrophique dans région Gaza. Organisation a fait face à en pile difficultés financières depuis quelques années déjà et il était lancé un appel en janvier 2023 pour un financement dans niveau 1 milliard 600 millions de dollars. Depuis longtemps, autorité israélienne yo a réclamé démantèlement agence ça parce que d'après yo, mission ça a passé mode et l'a tout simplement qu'on y a facilité sentiment anti-israélien. Yon accusation au noir rejetée à toute force. Non, l'autre regard de minute actuelle toujours n'a pris toujours concernant Moyen-Orient et bien un groupe parlementaire américain exprimé qui étudie pour que Israël Hamas a pas si maillé dans Moyen-Orient à cause implication militaire américaine dans une série d'attaques qui a fait en zone là. Nous parlons de Marie-Lise Pierre pour plus de détails. La mort 3 membres service américain dans une base militaire par l'autre bord de la rivière Jourdain, dimanche, pas pour aller être sans réponse. C'est ça, secrétaire de défense états-unien Lloyd Austin, t'a dit journaliste jeudi semaine ça. Malgré la pérèse, une réponse américaine t'a qu'à augmenter tension dans la région. Lloyd Austin. Ça, c'est un moment dangereux dans le Moyen-Orient. Nous allons continuer le travail pour éviter un plus grand conflit dans la région. Mais nous prenons toute action nécessaire pour défendre les États-Unis,
pour défendre l'intérêt nous avec le peuple nous. Après ça, nous pourrons répondre le nous choisi pour nous répondre avec les gens nous choisir. Militants Iran te appuyé yo te lancé 166 attaques sous force américaine yo dans Irak, Syrie ak palot bo la rivière Jourdain. Iran te prend responsabilité pour attaque là qui était tué 3 membres service américain et li dit li pas détruit par une réponse potentielle américain. Général Hossein Salami, commandant garde révolutionnaire Iran dit: on connaît que nous pas quitter aucune menace sans réponse pendant que nous pas chercher la guerre, nous pas payer la guerre et puis nous pas courir quitter. Sous Capitol Hill, là, quelques sénateurs démocrates concernés. D'après eux, Américains ont rapidement augmenté un conflit militaire avant les législateurs gagnent une chance pour autoriser la guerre. This is an escalating... Ça, c'est une accélération de la guerre dans le Moyen-Orient. États-Unis a recevoir trace plus toujours. Pas gain aucune autorisation congrès pour participation américaine dans la guerre dans le Moyen-Orient. Comme ça, tant c'est peut-être couné là pour congrès a commencé discussion sur ça. Dans le commencement de semaine, ça, à la tête Sénat, républicain Mitch McConnell, t'a dit que politique administration Biden a augmenté menace Iran posée chaque jour plus. Leader minorité dans Sénat dit pour 3 années, Yundel Lot menace l'intérêt Iran et appuyé contre personnel américain à intérêt dans le Moyen-Orient t'est agrandi chaque jour plus. Iran croit li ka servi à intermédiaire pour attaquer américain sans punition. Plusieurs autres parlementaires républicains dit n'importe réponse sur ta doit calibrer avec en pile attention. Moi t'a remet connait si président gagne un plan que on mettait sous pied pour pas juste suspendre ça mais pour mettre Iran dans une position pour pas jamais faire ça encore. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Et il faut dire que le président Joe Biden, ensemble avec Premier Dame Nan, avec le ministre de Défense Lan, avec quelques groupes militaires replacés, eh bien, ils ont été trouvés dans Delaware, dans une base militaire américaine dans Delaware, pour accueillir 3 soldats saoudiens qui étaient morts dans Jordanie. Et la semaine passée, après une attaque qui était faite sur, le président Joe Biden était à l'assister, ou bien, il a accueilli 4 cadavres saoudiens, il a retourné aux États-Unis, et cela fait jeudi, vendredi, à même. Non, l'autre point qui a dominé l'actualité, il y a un petit bateau qui a transporté en 30 à 50 passagers, chaviré bouche en bas, dans nord-ouest Porto Rico. D'après ça, officiel Garcotte américain a annoncé, Valérie Saint-Louis, depuis New York. Garde-côte américain a dit qu'il était arrivé sauver 30 personnes qui ont essayé de river par bateau dans le pays Porto Rico. Bateau a été chaviré mercredi passé à tout près ville Camuy, sous bord en mer. Autorités ont continué à chercher six vivants potentiels dans la côte nord-ouest Porto Rico hier jeudi, après que bateau qui était gagné plusieurs mouns là-dedans était chaviré et au moins 2 mouns étaient morts. 2 mouns qui étaient dans le bateau ont été internés à l'hôpital pour raison qui pas spécifié, avec tout une femme qui enceinte 4 mois. Mouns qui survivent ont estimé que bateau a tapoté entre 30 à 50 passagers, d'après sa officielle garde-côte américain dédiée dans une déclaration. Li pas clair côté bateau a été sorti bien que pi fort immigrant qui t'a essayé river Porto Rico à bord bateau ça t'est sorti Haïti et République Dominicaine. Quantité moun k'ap essayé voyager pour river sous territoire américain sorti République Dominicaine sous des tiretail bateau k'ap porter en pile moun sous la mer augmenté dans moment que pays d'Haïti a plité contre insécurité à augmentation dans violence gang yo ensemble avec un niveau pauvreté qui vient pire. Traverser passage maritime ça qui rele canal La Mona et qui mesure 148 km de distance sous bateau, c'est un canal route droite entre l'île Hispaniola que République Dominicaine et Haïti partagent pour river Porto Rico. Route la mer ça traite en pile et il est très dangereux. D'où la mer dans zone ça mauvais en pile, c'est ça qui fait que plusieurs douzaines d'immigrants t'est mouri noyé pendant dernière année qui sont passé là yo, d'après ça yo rapporté. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Nous, pour aller dans le pays d'Haïti, 2 groupes militants ont été dans ces frappés verbales dans une localité dans le nord-est PIA, après, pour dénoncer façon, une compagnie a distribué courant électrique. Nous allons jouer Junior Seville, depuis Ville for Liberté. Dans la ville Trudino, yon mésentente nan mitan 2 groupes protestataires campé déroulement yon manifestation qui était fixée pour jeudi 1er février 2024 là contre Premier ministre Ariel Henry ak Enrica, yon compagnie électrique qui nan pak industriel Caracol là kap vann plusieurs communes nan Odès courant parmi yo ville Trudino. Manifestation si la qui était gagné comme objectif dénoncer au redistribution courant ak force CPM Ariel Henry bay démission pas terrivé fait parce que force militant Trudino qui gagne Tinon Jouetli FMT accusé l'autre groupe là qui t'est venu à l'idée
Comme quoi, c'est eux-mêmes qui t'ont fait la justice, mettez mandat derrière ancien sénateur Eli Grandansla, Guy Philippe. Oui, Terken Jean, alias Quinquin, yon nan protestataire qui t'ont bloqué manifestation, t'es parlé nan non force militante Trudino. Nous-mêmes, nous, chaudi, y'a n'ayou un peuple à bonne décision. Peuple a orienté mouvement, n'ayou passé en bas pour venir prendre mouvement peuple. Mouvement, ça débouché à mon mari. N'ayou vin côté, n'ayou vin. Nous avons mis une bonne de yon. N'ayou vin, y'a dit, au lieu d'y'en deux bonnes, il a fait un sel. Nous chita, nous planifions, ok, bon, d'accord. Nous disons, lieu de rassemblement, c'est une station pour dire. Boutsoukou, à 6h, 7h du matin, hier, nous avons mis ton flyer de yon. Logade, on mouvement en Rica, on mouvement contre Logade, ça, il va me faire là. Bon côté pâle, Belijak Saint-Cléris, voyez jeter bien loin, accusation Silayo. L'armée Kosovo, avec tête du commandant Kinkin, sur nous, ça, vini au craser manifestation roche bouteille tirer toute population troui et nous pour yo pas grand explication juste yo bay Kelly à Gabriel Augustin c'est des citoyens qui t'ai parlé avec VOA créole après incident pour mander l'unité dans mitan des groupes militants yo jodi m'a apprendre comprendre problème dans ces ni en amont ni en aval et m'ta souhaité ça pas répéter encore et m'mandé pour d'yo réunir ensemble Jodle Junior Saint-Ville depuis Trudino pour VOA créole. Manifestation pendant plusieurs jours contre Premier Sahel Henry ou Renan Toussaint. Dans le moment, tension a intensifié à travers le pays d'Haïti quelques jours avant date 7 février 2024, date qui prévoit officiellement expiration accord 21 décembre 2021 via un gouvernement élu qui a dû remplacer Premier ministre Ariel Henry, même opposition politique là qui regroupait collectif 30 janvier, signataire déclaration Kingston, avec divers autres faits qu'on a, processus dialogue-là en pouvoir après mort. Certains membres dans l'opposition ont dit pour qu'on y a une phase mobilisation pour exiger démission Premier ministre Ariel Henry, mais un acteur, Imler Rebu, dit c'est s'il voulait démissionner. Il n'y a pas droit à démissionner. C'est démission, même pas, je suis d'accord avec le mot démission. Parce que démission sont actes volontaires. Et on moun non bagay ou pas capable ou pas capable voir la caillou. On pas capable mande moun pou démissionner, on cap constater que moun nan démissionné. En Haïti yo démissionné moun pas démissionné. Bon côté parle, ancien député Serge Jean-Louis, coordonnateur général Force nationale pour démocratie FND, dit tout problème qui gen là, c'est parce que institution yo relé la présidence là pas fonctionné. On m'a parlé de nouvelle gouvernance. Avec un exécutif bicéphale, qu'on moun nan parle à Bailod, et puis qu'on premier ministre, qui pas n'importe qui moun, hein, un premier ministre, qui sont premier ministre qui a expérience dans les affaires de l'État, ou bien, mais qui connaît sacré l'administration publique haïtienne, qui connaît le fonctionnement régulier de l'État, qui ont compétences, qualification en compétences, en fonction de l'expérience. Pendant ce temps, signateur à COVID-19 décembre 2022, signalé deux tentatives qu'a faites pour voir si yota siye yon nouvel accord politique à composition, série Chita Paléo était bloquée depuis mois décembre 2023 après dernière tentative éminente personnalité Kaïkomio qui pat abouti à rien. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Et puis je dis à ce vendredi, nous connaissons depuis vendredi arrivé, c'est jour par où est-ce que vous pas parler nous de nouvelles qui ont passé la Kaïvedette? Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'actualité culturelle semaine ça sous VOA Créole, côté nous pour aborder plusieurs sujets. Nous n'allons rien pour avec Collision Guitare, chanteur groupe Dire Street qui vend pour 11 millions de dollars. Ça, c'est un record. Bon, mes amis, moi, envie, moi, pas carré, non, vraiment vrai. Ça m'a dit là, rien pour avec Archive Musique Contemporaine États-Unis, qui pourrait utiliser une zone rurale, côté monde qu'on fait élevage cochon, pour serrer 3 millions d'enregistrements musicaux. Ça, pire de là, mes amis, c'est que c'est plus gros réserve dans ce sens qui existait sur le territoire américain. Bidding, ça a une couleur jaune, abricot et blanc. Responsable Archive là, a utilisé Complexa depuis l'année 2020, qui donc dans l'époque Covid là, parce que l'OAE, on a payé en bas la ville Manhattan, on a vu monter 17 routes. Comme ça, il était obligé, tant que Jean-Robert Philippe t'a dit, courir bride sous coup pour allouer côté yo fait élevage cochon. D'après ça, la tête à chiffre la bille, George dit, yo pral la gain pour brouter encore avant longtemps, parce que yo pas qu'à jouer un permis pour occuper local dans la zone rurale là. Kounia, y a cherché un côté pour y aller guérir Bosco, yo espérer joindre une installation côté train qui a descendu dans la ville de New York à passer.
M. Georges a fondé Archive qui pape chercher faire Cobla en 1985 pour te mettre propre collection musique par lui qui était monté arrivé dans 37 000 enregistrements musicaux. Collection si là, il y a un revoir avec musique qui sortit tout partout sur la planète là, genre musical dans le rock and roll, musique blues et même morceau qui sortit dans le répertoire sur le continent africain, assemblé musique pop, country, hip hop et la trier. Bon, on a prêté dans le domaine musique là pour nous dire guitare qui sortit dans la collection ancien chanteur groupe britannique Dire Straits. Mark Knopfler recevoir 11 200 000 dollars pendant une vente aux enchères dans la ville de Londres et comme ça, la collection ça a battu plusieurs records, sinon qu'à 10 paroles là comme ça. Collection ça a gagné la dernière 120 guitares amplifiers ancien chanteur a été utilisé pour enregistrer un pile gros tube, gros hit Dire Straits, semblier, prestation, yo qu'on fait un concert en public. Une antique que tu mettais dans la vente aux enchères, c'est une ancienne guitare Gibson Les Paul que mon t'a acheté pour une somme qui dépassait 700 000 dollars américains. Dans un communiqué que nous avons publié après la vente aux enchères, il dit ça te fait vraiment plaisir pour moi, gros qualité importance guitare ça y a pour un pile monde. Moins content tout parce que guitare ça y a pour continuer à mettre la joie dans un pile chrétien vivant. Ancien chanteur rock and roll britannique là, dit la Paris vous le voyez yon can dans l'agent de recevoir dans vente aux enchères par trois organisations charitables qui c'est la Croix Rouge Britannique, TOSC, et organisation Braveheart. Bon. En dedans, il y a un studio d'enregistrement qui est dans Queen Mary University à Londres. Et bien, il y a un pile chercheur qui a examiné qui est capable d'utiliser l'intelligence artificielle pour développer des outils nouveaux que vous baptisez avec New Virtual Worlds dans le département de musique. Là. Andrea Martonelli et Max Graff ont été trouvés parmi 30 étudiants ESLET qui travaillent avec Dr. Mathieu Bartet, un conférencier dans le domaine média numérique sous question. Graf déclaré par l'agence Nouvelle Reuters, bagay ça c'est un coup une réalité prolongée, c'est une façon pour agrandir réalité physique dans vive journée aujourd'hui. Chanteur musique alternatif anglais Emmy Love qui t'a pas abordé question en fait connaître, ça me comprendre sous besoin d'assistance pour côté intelligence artificielle ou qu'à utiliser pour faire comparaison à chrétien vivant et c'est un bagay qui coule. Eh bien mesdames et messieurs, merci infiniment d'être traité avec nous jusque là pour nouvelle sauver d'être moi c'est Sergio. Rodriguez. Et c'est toujours à la Rodriguez. Donc, nous disons tout le monde merci en pile. Nous avons passé un moment ensemble et nous avons passé toute semaine ensemble. Ça a fait un grand plaisir. Et nous espérons encore pour jeûner encore la semaine prochaine. Donc, tous les collègues, moi, que ce soit c'est Fred, depuis New Jersey, Gentil Augustin qui était aidé de mettre l'émission dans l'air, ingénieur Franklin tout, qui était fait coordination pour nous tous, et tout l'autre, Jacques Bélizère, nous connaît, qui était là tout, qui n'est pas présent avec nous dans le studio, mais au moins qui était là avec nous en esprit. Nous, merci tout le monde qui était aidé, et M. Saté, entre la carte aujourd'hui. Comme je dis, c'est vendredi, comme d'habitude, vous rappelez, vous capable de sortir, mais si vous sortir, vous parlez dans la fête, eh bien bon, pas conduit, après vous consommez alcool, et si vous consommez alcool, pas conduit. Et soit conduit, pas consommer alcool. Abdi tout le monde, passez un bon week-end. Restez branchés sur la voie de l'Amérique. Visitez toute plateforme New York pour connaître exactement ce qui a passé dans le monde là. Pas oublier visiter nous encore. Nous remercions chef service à lui-même tout qui était pour décoller avec nous tout. Pour émission ça, je dis à ce vendredi 2 février. Abdi tout le monde, bon week-end. Nous allons lundi prochain.